Bon matin à toutes et tous. Eh bien voilà, nous nous retrouvons pour le dernier message de cette semaine, les énergies de ce dernier jour pour moi, parce que moi je termine avec vous le vendredi. Donc nous sommes le vendredi 17 mai 2024 et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin. Surmonter les obstacles. Ah oui, c'est pas facile, mais nous devons le faire. Surmonter les obstacles. Les grandes orientations de notre vie ne doivent pas être bouleversées par des incidents de parcours. Des événements imprévus peuvent nous contraindre à retarder nos projets, à les aborder différemment, mais en aucun cas nous y faire renoncer. Qu'importe si le chemin est plus difficile que prévu, l'important, n'est-ce pas, est de garder le cap. On a vu ainsi des marins gagner un tour du monde à la voile malgré des avaries, des champions de tennis remporter des matchs après des 7 perdus, des grands patrons faire fortune après une faillite, des femmes avoir un enfant après plusieurs fausses couches. Alors, chaque réussite cache son lot de déconvenues et de persévérance. Surmonter les obstacles. Eh bien, je trouve que c'est un très beau message, n'est-ce pas? Une belle philosophie. Pensée positive pour être heureux chaque jour. Et voilà, ça montre que lorsque on veut aboutir, on peut surmonter tout. Quand on veut, on peut. Voilà. Aujourd'hui, cœur brisé, aïe. Il y a peut-être un deuil que vous devez faire, peut-être qu'il y a une perte aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être cette carte, eh bien, elle illustre hein, vraiment un cœur qui est séparé en deux, qui est déchiré, qui révèle eh bien, tout simplement la noirceur, le vide. Et on voit au bout du cœur, regardez bien le dessin, une larme. Hein? C'est vraiment avec beaucoup de chagrin. Alors pour certains d'entre vous, cette blessure, eh bien, elle pourrait dater d'il y a longtemps. Et pour d'autres, elle pourrait avoir été causée par un événement plus récent. Alors d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Il y a une profonde guérison à faire qui est nécessaire pour que vous puissiez continuer votre parcours terrestre. Alors, il serait peut-être bon d'exprimer vos sentiments et de ne pas en vouloir à la personne ou à la situation qui est concernée. Affirmez que vous vous réappropriez votre pouvoir et votre tranquillité d'esprit. Il serait bon aussi d'ouvrir votre petit cœur, n'est-ce pas, à la lumière de l'amour divine, de l'amour du divin, l'amour divin, et surtout à la guérison, n'est-ce pas, et ayez de la compassion vraiment envers vous-même, durant ce processus qui n'est pas facile, qui est difficile. Vous avez peut-être perdu un proche et le manque est là, le manque physique est là. D'où vient le cœur brisé? Maintenant,
vous avez peut-être une blessure qui date d'il y a longtemps et que vous n'avez toujours pas surmontée, que vous n'avez pas guérie. Ou c'est une blessure qui est plus récente. Il y a un lâcher-prise, n'est-ce pas, à faire sur de vieilles expériences. Et vous pouvez ouvrir votre petit cœur à l'amour véritable que vous méritez tant, n'est-ce pas? Si maintenant c'est sentimental, eh bien, vous avez peut-être mis votre petit cœur dans une cage. Ouvrez cette cage, faites sortir ce petit cœur. Il a besoin d'aimer votre petit cœur, vraiment. Faire un lâcher-prise sur votre passé. Et maintenant, si vous avez perdu un être cher, eh bien, il y a une guérison à faire. Il y a un cheminement à faire. Il y a un deuil à faire. Et ce cheminement, c'est par plusieurs étapes. Donc, ce deuil et perte aujourd'hui, cette carte vient vous dire qu'il est temps de guérir votre petit cœur. Pour terminer, message de ton âme, se protéger. Se protéger, tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assaillir, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être assaillis. Se protéger. Protégez-vous. Voilà le message de ton âme. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et un magnifique week-end dans l'empathie, la bienveillance, l'amour inconditionnel, la joie, le rire, c'est tellement bon pour les zygomatiques, n'est-ce pas? Et puis la grimace est plus belle quand on rit. Voilà. Et puis lorsque on a le sourire sur le visage, eh bien on attire des personnes positives. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, je l'ai déjà dit, un excellent week-end. Aussi, je l'ai déjà dit, Fabienne, je radote, ok. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, moi, je vous embrasse tout fort. À très vite.